Bonus écologique, la MG4 et Dacia Spring passent à la trappe, mais la Tesla pourrait réserver une bonne surprise. Alors c'est officiel ça du coup? Bon, AMG on s'en doutait, la Dacia aussi, mais bon. Dacia étant avant le groupe Renault, on aurait pu penser que voilà. Agnès Pannier-Runacher a récemment fourni des éclaircissements concernant le bonus écologique. Lors d'une interview au TF1, elle a confirmé qu'il y aura un renforcement du bonus en 2024. Comprenez ici une augmentation? Ah ouais? Même si le montant exact reste à définir, pour rappel, il a été fixé à 5 000 euros, mais peut atteindre 7 000 euros sur les personnes à revenu fiscal par part inférieur à 14 090 euros. Le sujet épineux, évidemment. Alors oui, ça paraît logique d'un côté, parce que ils vont peut-être l'augmenter de 1 000 euros, à la limite 6 000, quoi, comme il y a quelques années. Et vu qu'il y aura moins de voitures éligibles, ça va leur coûter moins cher d'un côté. Il semble qu'une voiture fabriquée en Chine ne serait pas systématiquement privée du bonus écologique, contrairement à ce que certains pouvaient craindre. La différence se ferait uniquement, principalement en fonction des usines d'origine. Les usines chinoises utilisant le charbon comme source d'énergie seraient particulièrement désavantagées. Dans cette optique, des modèles tels que la Spring ou la MG4 seraient potentiellement privés de bonus. Ok, bah, ça me paraît logique, hein. Pour une fois, le gouvernement Macron fait un truc de logique. Aujourd'hui, certaines entreprises françaises et européennes produisent tout en minimisant leurs émissions de gaz à effet de serre. En revanche, à l'autre extrémité de la planète, avec de l'électricité qui est au charbon avec une empreinte environnementale qui est très élevée. Il subsiste une lueur d'espoir pour la Model 3 à Shanghai, bien que rien ne soit encore gravé dans le marbre. Cette dernière pourrait encore prétendre au bonus écologique, ce qui serait une aubaine pour les amateurs de la version restylée de cette voiture. Ouais, carrément, ce serait le bon plan là. Mais écoutez, je sais pas quand c'est qu'on saura quand. Enfin, quelle voiture est éligible ou non. Ce serait bien de le savoir assez vite quand même. J'imagine novembre-décembre, hein, maximum. Ils communiqueront là-dessus. Mais voilà, j'espère que ce sera clair et net, qu'on saura quels modèles sont éligibles et quels modèles ne le sont pas. Et qu'on ne soit pas dans le doute pour chaque modèle qu'on veut acheter, quoi. Parce que ce serait le pire qui pourrait arriver. Je vous laisse commenter. En tout cas, bonne nouvelle, hein, pour l'augmentation du bonus potentiellement.